Oh, la Côte d'Ivoire. Ah non, non, non. Il y a Dieu dans l'affaire, là. Ah ouais. Il y a Dieu dans l'affaire, là. Il y a Dieu dedans. Il y a Dieu dedans. Ah ouais, ouais. En fait, voilà ce que... Quand un peuple est heureux, Dieu ne peut que leur donner la victoire. Quelle que soit la manière qu'ils ont commencé. C'est ça la vie, hein. Quand un peuple est heureux et que Dieu leur donne un bon dirigeant, ou un peu, et que ce peuple-là accompagne leur dirigeant, Dieu ne peut que leur donner le bonheur. Ah oui, voilà la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire qui a été repêchée. Repêchée au 8e. Voilà ça aujourd'hui. Dami, mon ami, dans tout ce que tu fais, fais l'effort d'être juste. On peut avoir toutes les qualités de la vie, on peut avoir le talent, on peut avoir la volonté. Mais s'il n'y a pas Dieu dans ton affaire, non, 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 laissez ça, laissez ça. La Côte d'Ivoire, ces dernières années-là, ne propulse que la joie. Ce n'est que la joie que la Côte d'Ivoire propulse. La Côte d'Ivoire ne propose que la joie aux gens. Voilà, donc tout le monde va aller vivre en Côte d'Ivoire. Même nos artistes camerounais fréquentent la Côte d'Ivoire, les Camerounais fréquentent la Côte d'Ivoire. Voilà. Même pour aller se produire, ils vont qu'en Côte d'Ivoire. Il y a trop le bonheur là-bas. Et s'ils gagnent la finale là, voilà, ce n'est que l'accomplissement d'un bonheur mérité en fait. Voilà. Voilà. Il y a le bonheur, il y a les victoires qu'on mérite. Pourquoi? Parce qu'il y a les signes qui ne trompent pas. Un peuple toujours en joie. Un peuple qui a pleuré hier. Mais aujourd'hui, Dieu a dit que bon, voilà, je vous donne un homme qui est conscient. Qui est Ouattara, non? Il faut laisser ça, dis donc. Que oh, c'est un pantin, c'est un pantin. Mon ami, un pantin qui construit les routes. Mon ami, la seule chose qu'un peuple a besoin, c'est l'électricité, la lumière, l'eau. Voilà. Et même Paris n'a pas été conçu en une seule journée. C'est pour dire que quoi? Il est sur la route, il est en voie de. Par rapport aux autres, comme mon pays, le Cameroun, qui est en train de rétrécir. Le Camerounais aime la joie, mais dans la saleté. Tu peux vivre dans un environnement qui ne t'offre pas tous les condiments de la joie. Mais c'est toi qui veux être dans la joie. On boit dans la poussière. Le parcours vite est devenu un lieu de bar. Rien n'a sa place au Cameroun. Mais oui, hein, vous comprenez, non? La vie, c'est ça. Mais oui, non? Le Camerounais aime la fête. Il aime la joie. Il aime la joie, mais alors, est-ce que toi, tu as tous les infrastructures? Regardez, voilà les pays. Regardez-vous, voilà les pays comme ça. Là. Regardez. Et comment le pays est beau. Regardez comment le pays est beau. Mais oui, il y a tout. Hein. Regardez comment le pays est beau. Il y a la vente à la sauvette. Il y a tout ce que vous pouvez imaginer. Ils ont le bel skin ici. Hein. Ils ont le bel skin. Mais c'est que on respecte les règles de l'art. C'est fait dans la discipline. Il y a les bel skin ici. Il y a même les pauvres. Mais c'est que quand on embellit un pays, ça cache même la pauvreté. Mais oui, quand un pays est bien construit, ça cache la pauvreté. Quand on dit que dans la vie, quand tu aménages ta pauvreté, même le riche envie ta vie. Regardez un pays, regardez. Regardez un pays. Nous sommes comme ça ici à la présidence. Voilà, la présidence est indonésienne. Regardez vous-même. Voilà, la présidence est indonésienne. Les gens passent là-bas. Les gens marchent. Les gens marchent. Voilà, ne croyez pas qu'il n'y a pas le... Il y a... Non, 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 non. Il y a les pauvres, il y a les riches. Il y a les moins pauvres. Il y a les plus riches, il y a les misérables. Mais les gars sont tous en train de travailler. Voilà la présidence, hein. Voilà la présidence. Tu peux sortir là, tu te balades, tu marches. Voilà. Donc c'est ça le problème. Voilà la présidence indonésienne. Hmm? Voilà la présidence indonésienne. Voilà la présidence indonésienne. Regardez-vous, mais voilà la présidence. Mais oui, oui. Et peut-être demain là c'est ouvert. Le dimanche parfois c'est ouvert. Porte ouverte. Chacun peut venir voir la présidence de son pays. Tu peux passer au Cameroun. Voilà les motos à côté. Voilà la présidence indonésienne. Donc, Côte d'Ivoire, bravo.
Ce n'est qu'une victoire méritée. Voilà. Ce n'est qu'une victoire méritée. Voilà. Donc, il y a Dieu dedans. Il faut remercier Ouattara. Ouattara a apporté la bonne énergie dans ce pays-là. Il faut laisser dire, oh ouais. Voilà. Quand vous avez un leader qui vous oriente, il est sévère, il est strict. Mais il vous oriente. Non, laissez ça. Laissez ça dedans. Je suis pro Barbeau. Mon fils s'appelle Barbeau. Mon fils s'appelle Wamen Barbeau Junior. Est-ce que vous comprenez bien? Don Barbeau, mon fils, il n'a que deux noms. Voilà. Il s'appelle Wamen Barbeau Junior. Wamen Barbeau, c'est son nom. Junior, son prénom. Mon fils Barbeau. Voilà. Il sort tout que premier. Il est très brave à l'école. Je l'ai envoyé à la section anglophone. Très posé. Il ne rit pas trop. Il est trop sincère. Il est trop sérieux. Voilà. Et quand tu demandes que tu veux être quoi dans la vie, il dit que je veux être président. Moi, je vais aller en Côte d'Ivoire avec lui. Je vais aller en Côte d'Ivoire avec lui. Voir Barbeau. Ok. Son homonyme. Et je vais encenser Ouattara. Parce qu'il mérite, les gars. Il faut laisser ça. Ouattara mérite. Alors. Ouattara mérite. On parle des vrais problèmes. Tu parles d'un gars qui a la ferme. Qui est en France, mon frère. Il faut laisser ça. Disons. Lui, c'est qui, non? On parle des vrais gens. On parle des vrais gens. Tu parles d'un clochard. Hein? Oh, mais c'est qui? Le pape des poules. Le poule. Lui, c'est qui, même? On parle parfois de lui, peut-être parce que. Peut-être on a manqué quoi faire. Et puis, on prend sa comédie, on met là. Parce que la page est monétisée pour nous faire gagner un peu d'argent. Mais en réalité, lui, là, il est dans quoi? Il est important comment? Un sans-abri fixe. Il a une vie, il a une famille. Hein? Il n'est pas important, on s'en fout de lui. C'est un comédien, mon frère. Hein, tu vois un peu. On parle des vrais sujets, vous êtes tous là, dans les minables. Lui, on parle d'Abikoro parce que il était déjà dans une chaîne. Et qu'on connaît que la chaîne-là a été construite avec l'argent des Camerounais. C'est tout. Mais celui dont tu appelles son nom, là, vous êtes tous dans les faux débats. Vous aimez le Congo, ça, parce que c'est son fort là-bas, quoi. C'est son domaine de prédilection, le Congo, ça. Vous aimez les conneries qui n'ont pas de sens. Vous-même, vous ne prenez pas de la hauteur. Vous, c'est un fan. Vous ne prenez pas de la hauteur. Prenez de la hauteur. Quand vous êtes sur la toile, suivez les gens que vous suivez en les orientant dans leur orientation et dans leur ligne éditoriale. J'ai ma ligne éditoriale. Je parle des vraies choses. C'est pourquoi on n'est pas sur la toile à chaque minute. Voilà. Sinon, nous aussi, on peut être sur la toile chaque jour. On peut être là chaque une heure de temps, on fait le live. Voilà. Mais c'est parce que venir faire le Congo, ça, c'est la chose la plus facile. Ça ne t'épuise pas. Mais quand tu fais un live comme ça, là, que tu donnes les raisons de la bonne marche de la société, ça t'épuise automatiquement. Parce que tu peux, au fond de toi, chercher les mots. Il faut réfléchir. Vous voyez un peu, non? Comme hier, j'expliquais la mafia. Koro Apikoro, oh, il est en prison. On l'a arrêté parce que c'est à cause du peuple. Quel peuple? Quand on aime le peuple, on ne l'appauvrit pas. On ne se laisse pas utiliser pour se faire une place dans la société et par la suite venir dénoncer. On ne dénonce pas. La bouche qui mange ne parle pas. C'est clair. La bouche qui mange ne parle pas. Si nous sommes encore en vie, si nous sommes en liberté, c'est parce qu'on a refusé de manger. Voilà. On te donne les conditions. On fait de toi ce que tu es. Mais ta suivi en dépend. Ton silence. Ton silence. Tu fermes ta gueule. C'est clair. Parce qu'on t'a érigé un exemple pour la société. Maintenant, tu veux faire croire aux gens que non. Tu es ce que tu es là grâce à ton travail. Quel travail? Maintenant, ils te démontrent que non. Ils t'ont fabriqué. C'est que lui, il a même dit quoi là? Mais pas nous, on dit ça chaque jour, même au Cameroun. Les gens m'ont dit que Mbara Diaspora vient parler, mais nous on a dit ça au Cameroun. Allez sur ma vidéo, ça fait combien? C'est 4 mois que je suis dehors. Ça, c'est les choses qu'on a dit depuis les 17 ans au Cameroun. Mais comment on connaît que celui-là, le jeune-là, il a choisi son côté? Mais oui, on va te menacer, on va t'arrêter, on va te torturer, mais par la suite, on va te laisser tranquille. C'est clair. Tu vois un peu? Voilà. Parce qu'ils savent qu'ils n'ont aucune raison sur toi, ils n'ont aucun droit sur toi. Mais tu es là, subitement, tu offres la voiture à ton père, tu vis bien, tu as une Hyundai, tu as une Mercedes, tout et tout. Mon ami, ton silence dépend de ta suivi. Tu fermes ta gueule.
Voilà. Voilà. Voilà, c'est vrai. Quand on aime un peuple, on le rend riche. Ça veut dire que quoi? On n'est pas un instrument pour la pauvre. Comment les gens disent que non, il est là parce qu'il a dit. Il a dénoncé quoi? Il a été juste naïf. On ne trahit pas ceux qui ont fait de nous ce que nous sommes. Même dans la logique de la vie. Sinon, ta vie en dépend. Ta liberté en dépend. C'est clair. Tu n'étais rien hier. Toi, tu es qui? Les aînés sont passés là-bas. On les a déchaussés. Toi, tu es qui? Vous venez parler. Non, juste parce que tu veux être loyal. Oh, tu veux être loyal. Tu veux être loyal à quelqu'un lui-même qui ne t'a pas dit la vérité. Il ne t'a pas dit la vérité. Mais il faut qu'il te dise que il est ce qu'il est parce que c'est ceux-là qui ont voulu qu'il soit ce qu'il est. C'est parce que ceux-là l'ont copté. Et s'ils l'ont pris, ils l'ont broyé. Combien de fois toi qui n'es qu'un petit bébé? Ils savent ce qu'ils font. C'est la mafia. La mafia a la puissance. Et ils t'enlèvent. Attends, c'est comme la vendetta, non? Ceux qui ont fait le Portugal, tout et tout. Nous, on a fait les pays où est la vendetta, non? En Europe, là-bas, c'est un pays. Ça existe. Même là-bas, en Italie, là-bas, là, dans les régions de Sicile, tout ça. Mais attends, ça existe, non? La mafia tue ton père. Parce que ton père a désobéi à la mafia. Mais la même mafia vous envoie à l'école. La mafia tue ton père. Mais la même mafia, ok, la même mafia envoie tes enfants à l'école. Et tu as désobéi. On s'occupe de vous. On vous protège. Personne ne vous touche. Parce qu'on dit que voilà la famille de notre ancien agent, mais qui avait désobéi. On l'a tué. Mais on va s'occuper de sa femme et ses enfants. Et c'est comme ça se passe. Tu ne parles pas. Vous croyez c'est quoi? C'est la vendetta, non? Voilà, la vendetta. Tu tues, on va te tuer aussi. Tu trahis, on te ôte la vie. On te protège. Ils sont protégés par les plus hauts gradés. Ils te promettent la sécurité. Naïbidat. Arrêtez de dire que il aimait le peuple. Quel peuple, mon frère? On parle de la victoire des Ivoiriens. Côte d'Ivoire, oh yeah. Oh yeah, le président Ouattara. Et bien sûr. Oh yeah, président Ouattara. Voilà comment on peut dire que oui, la victoire, si là, c'est grâce à tel. Parce qu'il y a Dieu dans son affaire, les gars. Il y a Dieu dans l'affaire de Ouattara. Il y a Dieu dedans. Il y a Dieu dedans. Côte d'Ivoire, vous êtes un peuple. Vous avez compris, non? Ne vous déroutez pas. Aimez-vous. Voilà. Tout ce qui vous déteste, c'est l'aigreur, c'est la jalousie. C'est parce que celui-là manque d'amour. Son pays manque d'amour. Voilà. Et vous savez, quand tu es en joie chez toi, celui qui est triste passe son temps à t'admirer. Mais, pour te montrer que tu souffres comme lui, il est obligé de détourner, de transformer ta joie en tristesse. Pour te montrer que non, toi aussi là, tu souffres comme lui. Non. Faut pas écouter cela. Vous êtes un peuple heureux. Voilà. Vous avez souffert. Enfin, après la pluie, vient le beau temps. Voilà. C'était votre temps hier. Vous avez fait la guerre. Il y avait les coups d'État, tout ça. Vous êtes remis. C'est ça le plus dur dans la vie. Tomber et se relever. Vous êtes tombé, vous êtes relevé. Voilà. Donc c'est ça la vie. Vous avez un homme qui est venu là, il prend les dettes partout. Mon frère, je m'endette. Attendez. Tous les voitures ici là, tout ça n'est pas sur le crédit. Le monde occidental est conçu sur le crédit. La société moderne que tout le monde a envie là, mais c'est basé sur le crédit. 90% des blancs, des européens, vivent à crédit, meurent en laissant même le crédit. Vous voulez parler quoi? Vous voulez tromper les gens? Que il endette son peuple. Mon ami, j'endette mon peuple pour construire la maison. J'endette ma famille pour construire la maison. Où est le problème? Que de mourir en location. Donc tu préfères mourir en location. Payer la location 600 euros tous les mois. Alors qu'on te demande de déposer le dépôt. On te demande de déposer un dépôt de peut-être 20%. Peut-être que tu vas prendre une maison. Peut-être à 50 000 euros ou bien 100 000 euros. On te demande de faire un dépôt. Voilà, le dépôt. C'est-à-dire le down payment. Voilà, tu déposes 20 000 euros. On te dit que tu vas payer le reste d'argent. Après 20 ans, ça va finir. La maison te revient. Tu veux quoi? Dépose 20 000 euros cash. Doucement. Parce que le même argent, là, tu vas payer toute ta vie la location. Ça va même dépasser plus de 100 000 euros. Ça va dépasser plus de 100 000 euros. La maison ne sera pas ta part. Ouattara a compris en tant qu'économiste, c'est la bonne des choses qu'il a fait. C'est en fait,
Les économistes ne sont pas différents des avocats. C'est les bons rusés. C'est clair, on vit à crédit. Notre vie sur terre, c'est à crédit. D'abord même, tu passes en rien. Tu laisses tout aux autres. Tu passes en rien, tu laisses tout aux autres. Les immeubles qui sont en Côte d'Ivoire, là, que ça soit pour n'importe qui, est-ce que tu peux casser? C'est la même théorie de la Thaïlande, non? La majorité des immeubles en Thaïlande, c'est pour les étrangers. Les étrangers qui viennent là pour se chercher, pour faire la prostitution, tombent sur les hommes, tombent sur les femmes, finissent par se marier, vont dans le pays, prennent les crédits et viennent investir. Est-ce que le jour que tu pars avec? Parfois le mariage est fini même. On te porte, on te déporte. C'est fini. Le jour que la femme dit qu'elle ne veut plus de toi, on te déporte. Les biens sont là. On s'en fout de toi. Dans la vie, c'est le wiseness. Si un chef d'État n'est pas wise, son peuple ne peut pas se développer, son pays ne pourra jamais se développer. Même les Européens, c'est les plus grands bandits du monde. Voilà pourquoi ils ont compris. Nous, on laisse ce qu'on a ici là. On va ailleurs, on va braquer les autres peuples pour enrichir notre peuple, notre pays. C'est clair. Vous connaissez quoi? C'est le banditisme. La vie, c'est le grand banditisme. Mais le banditisme moderne. Le banditisme positif. Aller prendre chez les autres pour développer son pays. L'argent, c'est le papier. L'argent sur le papier. Un autre dirigeant ivoirien peut venir demain matin et dire: monsieur, je ne paye pas les dettes là. Je m'en fous. Les contrats étaient caducs. Terminé. Qui va venir porter ce, qui va venir porter ce que. Allez, ça, dis donc. N'importe quoi. Là, vous allez tout vouloir embrouiller les gens. La haine. Le mauvais cœur. Et tout dans la jalousie pour rien. Côte d'Ivoire, oye. Votre victoire est méritée. Nous, là, on ne peut pas aller nulle part. Qu'on peut arranger nos problèmes. D'abord, je ne peux même pas discuter. Je suis surpris quand ils voient les Camerounais faire les clashs avec les Ivoiriens. Je suis surpris. Comment tu peux faire les clashs avec quelqu'un qui a les problèmes? Il est fragilisé. Si tu l'aimes vrai, là, si tu le respectes, tu ne fais même pas le débat avec lui. Comment tu fais le débat avec quelqu'un qui a les problèmes? Tu fais le débat avec quelqu'un que dans son pays est divisé. Que lui-même, là, il y a les endroits où il ne peut pas partir. Et ce sont ses frères. Donc, il ne peut pas aller à Bamenda, il se balade. Voilà. Voilà le sous-préfet qu'on a enlevé. Il lui s'est échappé. Maintenant, ses collaborateurs sains, ils sont encore pris au piège. Tu discutes avec quelqu'un comme ça là. Mais si tu l'aimes en vrai, si tu te respectes, demande-lui d'aller résoudre ses problèmes dans son pays d'abord. Qui va d'abord se réconcilier? Comment tu discutes avec quelqu'un qui a une fracture dans son pays? Ça sera dessiné. Ça sur la destinée. Tu vas évoluer comment? Tu vas évoluer. Moi, je ne discute pas avec quelqu'un qui a les problèmes. Je ne discute pas avec quelqu'un qui a les problèmes. On discute avec quelqu'un avec qui on a presque le même niveau. Mais oui, alors, voilà pourquoi les Européens se parlent. Voilà, ils appliquent les mêmes règles. Tu parles avec quelqu'un que tu as les longueurs d'avance sur lui. Ça veut dire que tu es un égaré. Alors que tu te rabaisses même en fait. Mais oui, non. Voilà quelqu'un qui vient au Cameroun. Voilà quelqu'un qui vient dans son pays. Il ne peut pas aller à Kribi ou bien à Limbe. Ou bien à... Non, il ne peut pas aller à Limbe. Il ne peut pas aller à Boya. Il ne peut pas aller à Oum. Il ne peut pas aller à Manfé. Parce qu'il a peur pour sa vie. Il ne peut pas aller à Oum. Voilà quelqu'un que même dans son pays, un ministre d'une région n'a pas fait doter sa fille dans une autre région. Pourquoi? Parce qu'il fuit les problèmes dans sa région. Le ministre de l'Intérieur n'a pas fait doter sa fille. Donc, en réalité, un vrai homme qui est une élite, le seul cadeau qu'il peut donner au village, ou bien la seule, la dignité, mon ami, tu dotes ta femme, ta fille dans ton village, mais il n'a pas fait doter sa fille ailleurs, alors qu'il est de Bamenda. Vous ne comprenez pas qu'il a les problèmes? Il a les problèmes. J'étais quelqu'un qui a les problèmes. Mais vous, non, mon ami, vous vous rabaissez. Mais oui, si moi j'étais ivoirien, quand mon épargne, je ne le réponds pas. Mais oui. Il n'y a pas plus méprisant que quelqu'un qui garde le silence quand tu cries. Il te chosifie. Mon ami, on n'est pas de même classe, dit man. Mais tu te quoi avec toi? Même la blague, je ne blague pas avec toi. Va résoudre tes problèmes. Ne le distrais pas. En réalité, si vous nous aimez, laissez-nous résoudre nos problèmes. Ne répondez plus aux clashs de certains Camerounais. Les Ivoiriens sont les Ivoiriens, mais ils ont la culture des Ouest africains. C'est clair. C'est les gens qui pensent à l'avenir. Le Camerounais est celui qui fuit ses problèmes. Fuis tes problèmes, c'est comme si tu fuyais ton ombre. Passez une bonne journée, je vous remercie. Voilà. Donc tout à l'heure,